bon mardi matin. Écoutez, la journée sera très désorganisée aujourd'hui concernant l'état du ciel, concernant aussi les précipitations. En fait, notre mardi ressemblera drôlement à la journée d'hier. Donc, pas de gros système structuré en tant que tel, mais on a un dôme d'air froid qui recouvre la province et le soleil vient réchauffer le sol. Donc, il y a un contraste de masse d'air et ça, ça crée des nuages. Et les nuages, bon, nous apportent par moments une petite floconnade. Donc, rien de majeur, 2 cm maximum pour l'anneau d'hier, les Laurentides, le nord-ouest, la portion centrale de la province en cours d'après-midi. C'est le froid qui va encore une fois se mettre de la partie aujourd'hui. On sera à peu près un 5 à 7 degrés sous les valeurs de saison. Il y aura des vents du 15-30 km à l'heure partout en province. C'est faible pour le nord-ouest toutefois et plus soutenu pour les secteurs de l'est, les vents du 20-40. Donc oui, il faudra prévoir un refroidissement éolien. Au cours de la nuit prochaine, un système va balayer le sud du Québec pour laisser des averses de neige un peu plus organisées. Mais rapidement, mercredi, le système nous quitte, donc on retrouve le soleil. Mais on aura toujours ce scénario d'instabilité, donc un peu de tout. Des nuages, du soleil, un 30 % de risque de flocons partout en journée, mercredi et jeudi. Et bien, on surveille l'approche de ce nouveau système qui prendra forme du côté des Grands Lacs, qui va balayer la province, surtout le sud, en cours d'après-midi, jeudi, pour laisser encore une fois quelques traces, là, maximum 2 à 5 cm. On retrouve le soleil vendredi, belle journée, mais journée froide. Et pour samedi, il y a un nouveau système dépressionnaire qui se met en place. Alors, pour demain, même scénario qu'aujourd'hui, par contre, c'est davantage froid.